70. Enfin, c'est ridicule, il y a quand même des limites à tout, quoi. Non, je suis contre. Je suis contre cette limitation. Alors moi, je suis plutôt contre parce que je pars du principe que déjà, si on a réappliqué les 90 km/h, ce qui est rarement le cas sur la région lyonnaise, ça serait déjà très bien. 70 km/h, ils ne seront jamais appliqués. Moi, je croyais que c'était surtout pour remplir les caisses de l'État par rapport au PV. Mais je suis sensible, ouais, si c'est pour l'écologie, contre la pollution, ouais. Qu'on prouve effectivement qu'à 70, les gaz à effet de serre sont plus faibles qu'à 90, et pourquoi pas. Ben, faut carrément enlever les voitures, comme ça c'est mieux. Enfin, c'est ridicule. Surtout que c'est pas ce qui pollue le plus. Pouvoir apprendre le train, derrière avoir une solution de covoiturage qui puisse être en place et de multiplier des moyens de transport qui permettent à des personnes qui, comme moi, habitent à 50 km de Lyon, à venir sans ma voiture sur Lyon. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. Absolument pas. C'est un outil de travail aussi, mais c'est un outil de plaisir aussi. Ah non, pas du tout, puisque s'il faut que je traverse la ville pour moins prendre ma voiture, c'est pas possible. Bah honnêtement, moi je normalement je bouge en métro, en transport en commun, mais là j'ai mon véhicule qui est chargé, donc des fois j'ai vraiment besoin de mon véhicule, quoi. Oui, forcément pour aller dans Lyon sur le périph, je vais beaucoup moins la prendre et je vais essayer de trouver des solutions alternatives. J'ai besoin de mon permis et je sais qu'à 70 km/h, ça va tomber au niveau des amendes. J'ai bien peur.